n'y a pas beaucoup de clients pour l'instant. Ça va venir. Joseph, là, dis-moi, comment ça se passe cette organisation là? Ah, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ça se passe très bien. Je crois qu'on et ça va se terminer à quelle heure? Avant la nuit? Très très tard. Nous allons faire un feu de la Saint-Jean à minuit et après on aura un karaoké jusqu'à au moins 2h du matin. Alors, j'ai pas encore vu la présidente du comité des fêtes, là, parce que je vais essayer d'interviewer là quand même. Il faudrait mieux. Hein. Où est-elle? Elle doit être sur la place des Halles. Ah bon? C'est le dernier là? Écoute, il y a un spectacle? Ben je crois, oui. Moi je suis seulement chauffeur. Ah bon? Alors, est-ce que tu nous payes un coup là? Hein? Et la brouette, à qui c'est?
prochain ou le mois prochain.
Encore briller
Thank you.
Who was that? You know you make me wanna shout. Effectivement, il mérite des applaudissements. Plus fort que ça, s'il vous plaît. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Cette fin de soirée, nous sommes avec Madame Bardet, présidente du comité des fêtes. Alors Madame Bardet, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous pensez de cette soirée? Je trouve que cette soirée est fort bien réussie et je pense que tout le monde doit être satisfait. Tous les chars ont donné leur maximum. Les personnes qui se sont rassemblées depuis bientôt un mois et demi ont fait des choses extraordinaires. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas même le conserver parce que c'est tellement bien fait. Le char reste, par exemple, le char futuriste avec la soucoupe volante et au fond, vous voyez toute la voûte céleste avec les étoiles, c'est magnifique quoi. Et la peinture du Guzine là sur le côté, c'est formidable. Vous savez, on l'a mis sur la pellicule, mais ce qui serait bien, c'est que ça se reprenne tous les ans, ça. C'est une belle chose d'animer tous les quartiers. À mon avis, c'est trop tous les ans. Tous les deux ans, oui. Mais tous les deux ans, pourquoi pas? Parce que ça demande beaucoup, beaucoup de préparation. Et puis les gens, peut-être, se lasseraient. Il faut changer. Et j'ai remarqué qu'il y avait un public extérieur à la châtaîneraie, alors peut-être qu'avec un peu de réputation. Nous avons fait pas de pub à l'extérieur, justement. On n'a fait qu'une pub locale, même sans affiche, vraiment dans la ville. Oui, on pourrait certainement le développer plus à l'extérieur, à mon avis. Bon, ben c'est bien, alors félicitations pour cette soirée. À bientôt. À bientôt. Thank you.
Ce fut une soirée vraiment formidable. C'est ainsi que elle se termine par le feu de la Saint-Jean, le feu de joie, comme on dit. Et tous les participants sont repartis ce soir avec une satisfaction, il faut le dire. Bravo à tous ceux qui ont participé, à tous ceux qui, dans les quartiers, depuis des jours et des jours, ont préparé les chars. Et aussi, bravo pour toute la prestation des figurants, pour les danses, la musique, etc. On en avait plein les oreilles, plein les yeux. Bravo. Bravo au comité des fêtes d'avoir organisé aussi cette manifestation. Animer la commune, animer la ville, c'est ça. Bravo. Et à la prochaine fois.